Mort. C'est d'accord, je suis mort. Bon alors évidemment, mourir aujourd'hui, moi ça m'arrange pas des masses. Hein. Parce que bon, j'avais des choses prévues. Des choses plus... Enfin... Et puis quand même, il y a un détail qui est très ennuyeux. C'est que j'ai le crâne défoncé, moi. Alors bon, je me vois mal trébucher sur mon bureau et m'encastrer dans cette statuette. Non, non. Il a fallu que quelqu'un me fasse ça. Et je n'en garde aucun souvenir. Rien. C'est très ennuyeux. C'est très ennuyeux. L'un d'entre eux? Impensable. À moins que... Je ne connais pas Pipardéon. Je l'ai rencontré qu'une seule fois. C'est un sale type. Mais alors de là à le tuer, je crois que vous lisez trop de romans policiers. Vous dites? Ah bah non, 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 c'est pas moi qui ai tué Pipardéon, c'est... Il le sait bien d'ailleurs. Il y a deux issues dans ce bureau. Là. Et comme il y a de clés, il y a deux clés. Il y a deux clés seulement. Il y en a une qui est dans le bureau de M. Pipardéon et il y en a une autre qui est dans une petite boîte au-dessus du mien au secrétariat. Deux seulement. Écoutez, je sais très bien que vous faites votre travail, je suis moi-même spécialisé dans le roman policier, j'ai 35 ouvrages à mon actif. Et vous faites fausse route. Hervé était mon plus vieil ami, j'aurais aimé être là pour lui, comme on l'a toujours été l'un pour l'autre, pour éviter qu'il se fasse. Désolé, je peux reprendre plus tard. Je l'aurais tué, moi. Non mais écoutez, c'est invraisemblable. Pourquoi l'aurais-je tué? Hervé était un homme tout à fait charmant. Un brin autoritaire, certes, mais notre collaboration a toujours été un peu plus cordiale. Voire même amicale. Demandez plutôt à sa femme, Élise. Je ne l'ai jamais sentie. Comment osez-vous? Mon mari vient à peine de mourir et vous semblez m'accuser de ce crime odieux. Nous étions heureux. C'était mon mari et je l'aimais. Les autres peuvent-ils en dire autant? Demandez à sa chère sœur ce qu'elle pense des liens du sang. Mais ça ne m'étonne pas, cette femme ne m'éprit. Je ne parlerai pas de mon frère, notre relation ne regarde que nous. Je ne l'ai pas tué. C'était mon frère. Tu n'es pas son frère, voyons. Eh ben voilà bien avancé, moi.